pourquoi avons-nous créé une association nouvelle, l'Association francophone des climato-optimistes? C'est parce qu'un certain nombre, je dirais même un nombre important, de scientifiques, d'ingénieurs, ou tout simplement de Français et de Françaises, en ont assez de ce langage constamment pessimiste dont nous sommes abreuvés. Aussi bien de la part des Nations Unies que des gouvernements, que de la plupart des médias. On nous présente toujours l'avenir comme catastrophique. Et quand on regarde les choses, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le niveau de vie augmente, l'espérance de vie augmente, les pays pauvres sont de moins en moins pauvres, même s'il y en a encore beaucoup trop. Et donc nous avons voulu contrer cette vision pessimiste des choses sur un problème particulier qui est celui du climat. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe en matière de climat, on n'a pas du tout les catastrophes qu'on nous annonce. On nous parle des cyclones. Alors maintenant, c'est assez curieux. Les cyclones, les tornades, les vagues de froid, les vagues de chaleur, tout ça, c'est le changement du climat. Mais le climat a toujours changé. Il change plutôt moins en ce moment qu'à d'autres époques. Et nous avons voulu faire entendre la voix qui est celle de la réalité et du bon sens. Et ce qui nous a beaucoup frappé depuis que nous avons créé cette association, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui partageaient ce point de vue, qui en avaient assez d'être désinformées de manière permanente et à ce qu'on leur dise en permanence que les choses vont mal, alors que dans ce domaine, qui est le domaine du climat, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a eu des périodes où le climat était très nocif, des périodes de grand froid ou de grand chaud dans le passé. Nous avons la chance de vivre dans une période qui connaît un climat tempéré, une période interglaciaire. N'oublions pas que la majeure partie des années passées, c'était la glace qui régnait en France, comme on le voit d'ailleurs dans les grottes que nous découvrons, où on voit des bisons et des mammouths. Donc nous avons cette chance de vivre dans une période agréable, et c'est pour ça que nous avons créé cette association, Association francophone des climato-optimistes, pour faire entendre la voix de la raison et aussi la voix de l'optimisme. L'énergie, c'est quelque chose qui est indispensable au progrès, ou indispensable à la sortie de la pauvreté. Si le monde occidental aujourd'hui vit mieux que le reste du monde, c'est parce qu'on a disposé d'énergie. Ça a été le charbon, c'est le pétrole aujourd'hui, c'est le gaz naturel, c'est encore le charbon d'ailleurs. Et donc l'énergie, c'est le progrès et c'est le bien-être. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous avons deux points de vue contradictoires. L'Agence internationale de l'énergie, qui est l'organisme officiel, nous dit: plus le monde va se développer, plus les pays pauvres vont sortir de la pauvreté, plus le monde va consommer d'énergie. Et ça tombe bien, parce que les réserves de pétrole, les réserves de gaz naturel, les réserves de charbon, on en trouve de plus en plus. Donc d'un côté, on nous dit, on va consommer de plus en plus d'énergie, ce qui va permettre aux pays pauvres de sortir de la pauvreté. Et puis il y a un autre organisme que les Français connaissent, qui s'appelle le GIEC. Le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le changement du climat. Et cet organisme nous dit qu'il faut diviser par deux, d'ici 2050, donc dans 35 ans, les émissions de gaz carbonique. Le problème, c'est que les émissions de gaz carbonique, elles résultent de la consommation d'énergie, de pétrole, de charbon et de gaz naturel, à peu près uniquement. Donc on a un organisme qui nous dit on va consommer de plus en plus d'énergie, et tant mieux. Et un autre organisme officiel, qui dépend des Nations Unies, le GIEC, qui nous dit qu'il faut diviser par deux les émissions de gaz carbonique, de CO2, donc la consommation d'énergie. Et on a là une contradiction qui explique pourquoi la conférence de Paris, qui va se tenir à la fin 2015 à Paris, comme son nom l'indique, va déboucher sur un échec retentissant. Parce que ce que nous demande cet organisme, le GIEC, est impossible. À la limite, même si les pays développés que nous sommes ne consommaient plus rien du tout, c'est les autres pays, c'est l'Inde, c'est l'Indonésie, c'est la Chine, c'est l'Afrique, qui consommeraient l'énergie que nous n'utiliserions pas. Donc on a une demande qui est impossible à satisfaire. La planète va émettre de plus en plus d'émissions de gaz carbonique, de CO2.
Et la question qui se pose, c'est est-ce que alors on ne va pas aller à la catastrophe? C'est la question que tout le monde se pose. Alors effectivement, si le fait d'avoir de plus en plus d'émissions de gaz carbonique devait avoir des conséquences dramatiques, il faudrait s'interroger. Mais on peut en douter quand on regarde ce qui s'est passé depuis les décennies récentes. Depuis maintenant plus de 15 ans, c'est-à-dire un peu avant l'an 2000, il n'y a plus d'augmentation de la température de la Terre. Ceux qui nous le disent, ce sont les satellites. Il y a 4 satellites qui, en permanence, jour par jour, pour ne pas dire heure par heure, relèvent la température de la planète, la température de la Terre. Et ils constatent, ils sont unanimes, tous les 4, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique depuis, disons, une quinzaine d'années au moins. Donc, il y a 2 phénomènes qui sont intéressants. Il y a de plus en plus d'émissions de gaz carbonique, de CO2. Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et pourtant, la température de la Terre ne se réchauffe pas. La conclusion qu'on peut en tirer, pour le moins, c'est qu'il n'y a pas du tout d'évidence qu'il y ait une relation entre le climat et la quantité de CO2 dans l'atmosphère. À vrai dire, le climat a toujours changé. Il a changé au cours des siècles. N'oublions pas qu'il y a eu des périodes glaciaires. Les périodes glaciaires, c'était moins 12 ou moins 15 degrés par rapport à la température d'aujourd'hui. Et puis, même plus près de nous, parce que la dernière période glaciaire s'est arrêtée il y a 12 000 ans, mais plus près de nous, il y a eu des fluctuations considérables. Au Moyen Âge, les Vikings ont colonisé le Groenland. Et tous ceux qui ont fait un peu d'anglais savent que Groenland, ça veut dire Greenland. Parce que les Vikings sont restés 3 siècles au Groenland, qui était vert. Green, c'est vert. Donc c'était une période, c'est d'ailleurs la période où on a construit nos cathédrales. Et c'est pas un hasard. C'est parce que les récoltes étaient très bonnes, et que donc on avait du temps disponible, notamment pour construire nos cathédrales. Et puis il y a eu ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, qui a culminé, si j'ose dire, du temps de Louis XIV, qui a été une période très dure. Du temps de Louis XIV, il y a des famines qui ont fait 2 millions de morts en France. Et évidemment, on a beaucoup de mal à l'imaginer. La Seine gelait, la mer gelait du temps de Louis XIV. C'était des périodes extrêmement difficiles. Et puis nous avons la chance, depuis, disons, la fin du XIXe siècle, de vivre une période heureuse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements climatiques. Les températures, telles qu'on peut l'estimer, n'ont pas varié de plus de 1 degré depuis 150 ans. Et nous sommes actuellement sur ce plateau, qui est un plateau favorable, avec d'ailleurs des conséquences tout à fait inattendues et qui ne sont pas connues. Comme il y a effectivement dans l'atmosphère de plus en plus de gaz carbonique, de CO2, les rendements agricoles augmentent très considérablement. C'est une des causes qui explique que le monde ne connaît pas les famines qu'on avait annoncées. C'est parce qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, en proportions qui ne sont pas du tout négligeables. Le CO2, la concentration a augmenté d'un tiers depuis 50 ans. C'est un des facteurs des bonnes récoltes actuelles. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà un certain temps, on nous disait qu'on avait 30 ans de réserves de pétrole prouvées. Et comme ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé ma carrière, aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de pétrole. Or, en réalité, les mêmes organismes nous disent aujourd'hui qu'il y a plus de 50 ans, aujourd'hui, de réserves de pétrole prouvées, malgré le fait qu'on en ait consommé beaucoup au cours des dernières décennies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, bien sûr, un jour, il n'y aura plus de pétrole. Mais ce ne sera pas demain. Maintenant, à peu près tous les experts considèrent que l'épuisement du pétrole n'interviendra pas avant la fin du 21e siècle, c'est-à-dire dans 85 ans. Donc on a du pétrole. On a du gaz naturel. Et le gaz naturel, on en a de plus en plus, puisque les Américains ont mis au point des méthodes d'exploitation de ce qu'on appelle le gaz de schiste, qui fait que les États-Unis regorgent de pétrole et de gaz naturel, ce qui était imprévisible il y a seulement 5 ou 10 ans. Donc le progrès technique intervient.
Et le charbon, c'est la même chose, on a également de grandes réserves de charbon. Donc bien sûr, un jour, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz naturel, il n'y aura plus de charbon. Mais c'est dans très longtemps. Et qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Ben, c'est là où je crois qu'il faut faire confiance au progrès, il faut faire confiance à l'homme. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, de gaz naturel et de charbon, l'humanité aura trouvé autre chose. Ce n'est pas possible autrement. Alors, qu'est-ce que l'humanité aura trouvé? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qu'il aurait pu imaginer il y a 20 ou 30 ans qu'il y aurait Internet, que chacun pourrait se voir sur un écran de télévision ou un écran de portable à l'autre bout du monde? Personne ne pouvait l'imaginer. Donc ce n'est pas la peine de chercher ce que nos successeurs trouveront dans un siècle. Et ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça, sauf pour faire un peu de recherche fondamentale, mais pas, par exemple, pour couvrir la France et l'Europe d'éoliennes ou de panneaux solaires. On sait très bien que ce n'est pas la solution, pour une raison simple, c'est que ces énergies-là sont intermittentes. Le solaire, ça marche 13% du temps. Les éoliennes, un quart du temps. Et qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Alors le reste du temps, il suffit de regarder en Allemagne, on construit des centrales à charbon. Pas terrible sur le plan écologique, et d'ailleurs ça nous envoie parfois de la pollution à Paris. Donc je crois qu'il ne faut pas se poser les problèmes que nos successeurs auront à affronter dans 40, dans 50 ou dans 100 ans. Nous sommes incapables de savoir ce qu'ils imagineront. La seule chose, et c'est là ce qui nous différencie des pessimistes, puisque nous, nous sommes optimistes, c'est que nous pouvons faire confiance à l'humanité. L'humanité trouvera autre chose comme elle l'a toujours trouvé. Quand on parle du changement climatique, la première chose qu'il faut se demander, c'est si on a bien défini la notion de climat. Beaucoup de gens confondent un peu la météo et le climat. Or, la définition du climat par les climatologues eux-mêmes, c'est que c'est la moyenne de la météo sur 30 ans. Chaque fois que vous parlez d'une variation plus courte, si vous parlez d'un record de l'année dernière, de chaud, de froid, ce n'est pas le climat, c'est la météo. Il ne faut pas confondre les deux. Et c'est particulièrement net quand vous entendez dire, et vous l'avez tous entendu à la radio de façon répétée, que 4 ou 5 des années les plus chaudes des 150 dernières années sont dans la dernière décennie ou dans les derniers 20 ans. Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi? C'est vrai parce que la température à très long terme a légèrement augmenté depuis 150 ans, mais que d'une année à l'autre, elle est très variable. Et nous sommes depuis 18 ans sur un plateau. Ça fait 18 ans que la météo moyenne n'évolue pas. Alors attention, j'ai dit 30 ans. 18 ans, c'est trop court, il faut attendre encore une dizaine d'années probablement. Mais on a beaucoup de signes que nous sommes dans une période où le climat n'évolue plus ou plus beaucoup, alors que comme la météo est agitée, nous avons tous les records. Seulement, quand vous entendez à la radio que tous les records sont dans les 10 dernières années, vous pensez la température continue à augmenter. Non, elle ne continue pas à augmenter, justement, elle est stable. Les deux sont vrais, vous voyez que quand vous entendez l'un ou l'autre, vous ne partez pas avec la même idée. Il me semble que peu de gens insistent sur l'importance du fait que depuis 18 ans, la température moyenne n'augmente plus. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est les échelles de temps. Qu'est-ce qui nous dit que le climat dans lequel nous vivons est le meilleur, puisqu'on a l'impression qu'il ne faut pas en changer? Les périodes de refroidissement et de réchauffement ont existé à toutes les échelles de temps, à l'échelle du siècle, à l'échelle du millier d'années, de la dizaine de milliers d'années. Rappelons que la dernière glaciation était en Europe au plus froid il y a 20 000 ans, que le climat s'est réchauffé entre 20 000 ans et 6 000 ans avant l'actuel, et que là, la température, elle a augmenté de 6 à 8 degrés. La mer a monté de 125 mètres. Ce ne sont pas les dixièmes de degrés Celsius ou les dizaines de centimètres dont on nous parle. Et d'ailleurs, ce réchauffement depuis la dernière déglaciation, c'est là que s'est fait l'évolution de l'espèce humaine telle que nous la connaissons. Donc le chaud n'est pas si mauvais que ça. À l'échelle de 2000 ans, parlons de celle-là, eh bien, on a montré, à part les historiens du climat, les spécialistes qui étudient, il n'y avait pas de thermomètre, donc ils étudient les anneaux d'accroissement des arbres, on a des astuces, les isotopes de certains éléments chimiques comme l'oxygène. On arrive à reconstituer tant bien que mal les températures des derniers 1000 ans, des derniers 2000 ans. Et qu'est-ce qu'on voit?
on voit que vers l'an 1000, la température était voisine de la température actuelle. On était dans ce que les historiens appellent l'optimum climatique du Moyen Âge. Et puis ensuite, au XIIe, XIIIe siècle, ça s'est refroidi, où tout le monde connaît les tableaux de Bruegel, où on voit les gens en train de patiner sur une Hollande glacée à peu près partout, les Pays-Bas glacés. Et puis on connaît les campagnes désastreuses et les famines ou les disettes sous le règne de Louis XIV ou la campagne de Russie de Napoléon. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Ce petit âge glaciaire, il a duré plusieurs siècles. Il a duré jusqu'à presque la fin du XIXe siècle. Et il n'y a pas de doute que depuis 100 ou 150 ans, la température remonte très légèrement. Nous sortons de ce petit âge glaciaire. Simplement, quand on vous dit « jamais il n'a fait aussi chaud », et jamais ça ne s'est réchauffé aussi vite, ce n'est pas exact. Il a fait aussi chaud ou à peu près aussi chaud en l'an 1000, et la vitesse à laquelle la température changeait était à peu près la même. À cette époque-là, le gaz carbonique, qui certes a augmenté de façon significative depuis 100 ans, n'était pas significativement plus élevé qu'il y a 200 ans. Donc la corrélation avec le gaz carbonique à cette échelle de temps de 2000 ans, elle n'est pas si bonne que ça. La corrélation avec les évolutions du Soleil, elle, elle est plutôt meilleure. Comme il y a un cycle connu de 11 ans du Soleil, il y a probablement un cycle de 1000 ans et des périodes alternativement chaudes et froides. D'ailleurs, aux environs de l'an 1000, le Groenland était habité par les Vikings. Et les Vikings, ils avaient des maisons, ils avaient des champs, ils avaient des villages dont on retrouve les traces archéologiques aujourd'hui, à des endroits où on ne pourrait pas vivre. Donc l'étendue des glaces du Groenland n'était probablement pas plus forte et même très probablement moins forte qu'aujourd'hui. Voilà des tas d'indices qui nous montrent que le climat change à toutes les échelles de temps. Et qui nous dit quelle est la meilleure échelle, qui nous dit quel est le meilleur moment, ça n'est pas évident. Et ça n'est pas évident que ce soit la température des dernières dizaines d'années, ou plutôt du siècle passé, qui soit la meilleure. Si on veut revenir 200 ans en arrière, on veut revenir à la fin du petit âge glaciaire. Nos travaux nous ont conduits, parce que nous travaillons aux relations qui existent entre le Soleil et la Terre, entre le champ magnétique du Soleil et le champ magnétique de la Terre, des problèmes qui, a priori, ne sont pas particulièrement liés au climat. Et c'est en faisant cela que nous avons découvert que la majorité des climatologues d'aujourd'hui, en tout cas ceux dont on rapporte les travaux dans les rapports du GIEC, pensent que le Soleil, qui a eu un rôle essentiel dans l'évolution du climat depuis il y a des milliards d'années jusqu'à en gros 1950, tout d'un coup, au cours des 50 dernières années, n'aurait plus un effet dominant. Le gaz carbonique dominerait l'effet du Soleil. Et donc, nous nous sommes posé la question de voir si nous voyons des éléments de nature solaire dans les indicateurs du climat. Et dès qu'on a commencé à les chercher, bon, ça demandait des méthodes mathématiques dont nous disposions dans notre domaine de la géophysique, eh bien, nous avons découvert, en effet, dans la température de Hollande, dans la vitesse de rotation de la Terre, dans la circulation des vents zonaux dans l'atmosphère, dans l'évolution de la variabilité de la température dans les villes qui ont des enregistrements du climat depuis très longtemps, comme Prague, par exemple, ou Uccle, en Belgique. Vous avez des villes où, à cause de couvents dominicains ou de moines, on mesure la température tous les jours depuis 250 ans. Avec ces séries, on a pu montrer que la variation de la température du 1er janvier au 31 décembre, donc de l'hiver à travers l'été jusqu'à l'hiver suivant, savait très bien si le soleil était actif ou non. Quand les taches solaires sont faibles, la variation est plus faible. Quand les taches solaires sont fortes, elle est plus forte. Donc nous avons eu la surprise de voir qu'en analysant plusieurs séries temporelles, on trouvait bien la signature du soleil dans des événements climatiques. La question qu'on nous pose alors, c'est: mais comment ça marche? Ça ne peut pas coller. Pourquoi ça ne pouvait pas coller? Parce que le Soleil nous envoie une chaleur, une lumière, une énergie qui varie trop peu au cours du cycle solaire. En gros, le Soleil nous envoie, vu de la Terre, 1000 watts par mètre carré en moyenne. La variation au cours d'un cycle solaire de 11 ans n'est que de 1 watt par mètre carré. Donc ça varie de 1 pour 1000. Ce que nous disent les climatologues majoritaires, c'est: avec 1 pour 1000, j'arrive pas à expliquer les variations du climat, et peut-être ont-ils raison. Mais peut-être y a-t-il d'autres mécanismes qui n'ont pas encore été trouvés. Deux chercheurs en particulier ont suggéré deux mécanismes différents, mais qui pourraient être complémentaires. L'un d'entre eux, M. Svensmark, a suggéré que les rayons cosmiques qui nous arrivent en permanence de l'extérieur du système solaire
et dont l'intensité sur Terre est modulée par le champ magnétique du Soleil tous les 11 ans, ces rayons cosmiques auraient la possibilité, quand ils arrivent dans l'atmosphère, de nucléer, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire d'aider à la formation de gouttelettes d'eau dans les nuages. Et suivant l'activité du Soleil, le flux de ces particules chargées qui nous arrivent en permanence change, et change de beaucoup plus qu'un pour mille, il change de plusieurs dizaines de pourcents au cours d'un cycle solaire. L'idée de M. Svensmark, c'est que la couverture nuageuse est modulée et que la lumière renvoyée par le haut des nuages est ainsi modulée, et la quantité possible de cette modulation est assez importante. Un autre physicien, M. Tinsley, a suggéré une autre idée qui n'est pas du tout incompatible, les deux peuvent exister, et qui réside dans les courants électriques qui circulent à 100 km au-dessus de nos têtes. À 100 km au-dessus de nos têtes, au-dessus de l'atmosphère neutre, il y a une couche qu'on appelle l'ionosphère, qui est une couche de plasma où circulent en permanence des courants électriques qui fabriquent des champs magnétiques. Tout ça est violemment influencé par le cycle du Soleil, parfois de 100%. Or, entre la surface du sol et cette ionosphère, l'atmosphère n'est pas complètement isolante. C'est comme un condensateur qui fuirait légèrement. Il y circule en moyenne une toute petite quantité de courant électrique localement, 1 à 4 picoampères par mètre carré. C'est tout petit, mais intégré sur la surface du globe, ça suffit pour déposer des charges électriques au sommet et à la base des nuages. Électrisant les nuages, ça change le champ électrique auquel sont soumises toutes les microparticules d'eau qui vont former les nuages, et là encore, ça va les aider à croître ou à décroître. Donc il est possible que les variations du Soleil, et en particulier les variations des ultraviolets qui illuminent l'ionosphère, soient suffisantes pour changer l'électrisation des nuages et changer la couverture nuageuse. Donc ces mécanismes ne sont pas démontrés, ils sont plausibles, et ils expliqueraient comment le Soleil peut agir sur le climat. Donc quand on nous dit « vous n'avez pas de mécanisme plausible », c'est faux. Si on nous dit « vous n'avez pas de mécanisme démontré », c'est exact, mais pas plus que le mécanisme du gaz carbonique n'est démontré. C'est une belle physique, ce sont de beaux problèmes, ce sont de belles thèses pour nos futurs étudiants, mais ce ne sont pas des problèmes réglés. Si d'ailleurs le problème était réglé, on pourrait considérer qu'il sort du domaine de la recherche et qu'il n'a donc plus besoin d'être financé. Le sujet, c'est, bon, mais si ça se réchauffe, si ça corrèle un peu avec le gaz carbonique, un peu avec le Soleil, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est responsable? Alors il faut pour cela trouver un mécanisme physique. Le mécanisme qui est proposé par la vision majoritaire actuellement du climat, c'est le fameux effet de serre dû à l'augmentation du gaz carbonique. Alors qu'une chose soit bien claire, oui, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère augmente. Oui, elle augmente significativement, elle a augmenté d'environ 30% depuis 200 ans environ. Est-ce que c'est ça qui est responsable de tout ce qu'on observe? C'est la question. À peu près tout le monde est d'accord pour dire que, avec une atmosphère où il y aurait cette augmentation de gaz carbonique, mais une atmosphère sèche dans laquelle il n'y aurait pas d'eau, l'augmentation, si la concentration du gaz carbonique doublait par rapport à ce qu'elle était avant le développement industriel, alors la température augmenterait d'environ 1 degré Celsius. Ce gaz carbonique a comme effet de retenir une partie des rayons infrarouges qui sont réémis par la surface de la Terre, bloqués par les nuages. C'est ça qu'on appelle effet de serre. Ce terme d'effet de serre n'est pas tout à fait le bon, dans la mesure où l'atmosphère n'a pas un couvercle en verre comme les serres, et l'air n'y est pas confiné de la même façon. Mais oublions cela, il n'est probablement pas critiquable de dire que augmenter la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère augmente la température. Mais s'il n'y avait pas d'eau dans l'atmosphère, cet effet ne serait que d'un degré Celsius si on doublait la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère par rapport à ce qu'elle était à la fin du XVIIIe siècle. Nous n'y sommes pas encore. Mais le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, son effet est très débattu. Pour certains, les gens du groupe intergouvernemental d'études du climat, le fameux rapport GIEC, l'idée est que l'effet de l'eau est de renforcer l'effet du gaz carbonique, et c'est comme ça que, c'est ce qu'on appelle la sensibilité de l'atmosphère au gaz carbonique, on traduit l'augmentation de 1 degré qui devient 1,5 à 4,5, avec une grosse incertitude, hein. Entre 1,5 degré et 4,5 degrés, il y a un facteur 3. Il n'y a pas beaucoup de choses que vous acceptez d'utiliser comme prédiction et qui sont incertaines d'un facteur 3. Mais en plus, il y a d'autres physiciens, d'autres spécialistes du climat, tout à fait honorables, qui pensent que l'effet de l'eau, c'est le contraire, que cette eau,
elle diminue l'effet du réchauffement dû au gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle l'effet iris. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'idée, c'est tout simplement que quand vous chauffez plus les zones tropicales, l'eau s'évapore, les nuages sont plus abondants, et le sommet de ces nuages réfléchit une partie de la lumière qui nous vient du soleil. Si vous augmentez la couverture nuageuse, vous renvoyez plus de lumière, vous refroidissez l'atmosphère en dessous, et l'idée est que ce 1 degré du gaz carbonique serait réduit à environ 0,7 ou 0,8 si on y rajoute le rôle de la vapeur d'eau. Je ne sais pas qui a raison, mais ça vous montre un des aspects essentiels de ce problème si difficile qu'est le changement climatique, la physique et la chimie du climat, ce sont les incertitudes. Suivant les auteurs à qui vous vous adressez, l'eau augmente ou diminue l'effet du gaz carbonique. Et l'incertitude est telle que de prendre des décisions et de faire des prédictions pour les 100 ans qui viennent à partir de là paraît extrêmement osé. Donc je reste sur cette idée sans critiquer plus, l'incertitude considérable qui règne dans notre compréhension du climat. Il y a bien des domaines scientifiques que nous connaissons mieux que celui-là. Le climat est un domaine de recherche relativement récent. Ça n'aurait rien de choquant qu'il nous faille encore quelques dizaines d'années avant de l'avoir suffisamment bien compris. Moi, je suis géologue de formation. Ce qui me passionne, c'est la dérive des continents. Et je cite souvent cet exemple du temps qui s'est écoulé entre le fameux article d'Alfred Wegener proposant la dérive des continents en 1914 et le congrès au cours duquel la majorité des géologues du monde se sont convaincus de l'exactitude de la dérive des continents, sa version moderne qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est un congrès à San Francisco en 1965. Il a fallu 50 ans, et si on veut 95% des gens convertis à la tectonique des plaques, c'est pratiquement 70 ans qu'il a fallu attendre avant d'obtenir ce résultat. C'est comme ça que la science marche pendant très longtemps. La majorité des scientifiques, avec tout leur courage, leur honnêteté et leurs compétences, peuvent se tromper. Se tromper parce que c'est compliqué de changer un modèle, et donc changer notre vision du climat, ça demandera peut-être encore quelques dizaines d'années. On verra bien ce qui se passe. Deux points qui sont souvent mis en exergue pour cette idée du réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes et l'augmentation du niveau de la mer. Donc en gros, on vous dit la température augmente, on va frire, le niveau de la mer augmente, il va nous noyer, et les événements extrêmes vont détruire des tas d'endroits de façon catastrophique. Qu'en est-il du niveau de la mer d'abord? Le niveau de la mer a augmenté en moyenne mondiale de 2 mm par an au cours de tout le XXe siècle. Donc sur ce XXe siècle entré, ça nous fait 20 cm. La mer a monté globalement de 20 cm. On a vécu avec. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler? Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler des problèmes que ça posait? Ça en posait. Ils ont pour la plupart été résolus. L'idée d'un certain nombre de climatologues est qu'il y a une accélération de la montée du niveau des mers, accélération à 3 mm par an. Je ne suis pas personnellement convaincu qu'il ne s'agisse pas simplement d'une oscillation relativement courte et qu'elle sera rattrapée dans quelques décennies. Mais même si c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire une montée moyenne de 30 cm au XXIe siècle. C'est certainement un problème dans certains endroits de basse altitude, mais qui peut croire quand le XXe siècle a réglé 20 cm que le XXIe siècle ne sera pas en réglé 30? C'est un problème d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, ça peut demander des investissements, ça n'est pas une raison d'alarme, et je ne parle pas des gens qui parlent de 6 ou 7 mètres de montée du niveau des mers, ce qui n'est pas sérieux. N'oubliez pas cependant que, comme je le disais tout à l'heure, le réchauffement depuis la dernière glaciation a fait monter le niveau des mers de 125 mètres. Donc nos ancêtres ont connu 125 mètres de montée des eaux. Je pense que les 30 cm du XXIe siècle ne sont pas une source d'angoisse gigantesque. Qu'en est-il des événements extrêmes? On a également entendu dire que le réchauffement climatique allait augmenter la fréquence de ces événements destructeurs, typhons, tornades, précipitations extrêmes, phases de sécheresse extrêmes. Il y a des raisons d'en douter, et d'ailleurs le rapport du GIEC ne le dit pas. Le dernier rapport du GIEC a corrigé cette exagération, et la statistique très soigneuse, qui est un vrai problème difficile de mathématiques, de l'évolution des événements extrêmes, montre qu'en fait, les événements les plus intenses n'ont aucune augmentation significative. Ce sont en général des événements moyens, et si par exemple on regarde les tornades aux États-Unis, eh bien c'est simplement le fait que les gens les déclarent plus souvent
parce qu'il s'intéresse au remboursement par les assurances. Et donc l'augmentation d'un certain nombre d'événements, elle est bien d'origine humaine, anthropique, mais ce n'est pas celle qu'on croit. Ces événements extrêmes, il n'y a aucune démonstration qu'ils augmentent. Et on ne s'y attend pas parce qu'en période de réchauffement climatique, ce n'est pas l'équateur qui change de température, c'est surtout le pôle. Le pôle devient moins froid. Et comme le pilote de tout le climat, de toute la machine climatique terrestre, c'est la différence de température entre l'équateur et le pôle, quand le pôle est très froid et l'équateur très chaud, la circulation est beaucoup plus rapide et les événements extrêmes sans doute plus fréquents que quand le pôle s'est réchauffé, ce qui est le cas avec le réchauffement climatique. On s'attend donc plutôt à une accalmie du système qu'à une exagération de son mouvement. En concluant ce bref résumé, je dirais que ce qui m'étonne le plus dans tout problème scientifique, c'est le fait que ce qui semble être une majorité écrasante de gens pense que le problème est résolu. Ce problème est terriblement difficile. Je pense qu'il faudra des dizaines d'années pour qu'il soit convenablement résolu. Et c'est normal. Le débat scientifique est une chose essentielle. Ceux qui disent « circuler, il n'y a rien à voir, le débat dans le problème du changement climatique est terminé », oublient toutes les difficultés passionnantes à résoudre que j'ai signalées et bien d'autres. Ce problème est un problème ouvert et c'est étonnant de voir à quel point on s'en inquiète à côté de problèmes autrement certains et autrement urgents, comme par exemple la recherche de l'eau potable ou la gestion des déchets urbains dans une civilisation qui va devenir de plus en plus urbaine avec 12 milliards d'habitants et 60% des gens concentrés dans les villes. Des problèmes écologiques importants à résoudre, il y en a, ils sont certains. Je continue à m'étonner qu'un problème aussi complexe et aussi incertain que le changement climatique soit l'objet de l'attention de si hauts responsables. Le réchauffement climatique est une réalité, mais une réalité qui a commencé sous le règne de Louis XIV, à une époque où le soleil a éprouvé le besoin de faire une longue sieste, qui s'est terminée en 1695, et depuis ce temps-là, on constate une légère élévation de la température de la Terre. Comment le sait-on ? De deux façons. La première, c'est qu'à cette époque, on avait inventé le thermomètre. Et le plus ancien thermomètre que l'on ait, qui se trouve en Grande-Bretagne, montre que, depuis 1695, il y a eu une lente élévation de la température. Oh, c'est pas énorme, depuis 1695, à peu près un degré. À la même époque, les scientifiques avaient inventé la lunette astronomique, Galilée. Grâce à la lunette astronomique, on a des relevés de toutes les tâches solaires. Et on s'aperçoit que, pendant cette fameuse sieste qui a duré jusqu'en 1695, il n'y avait plus de tâches solaires. Ensuite, le soleil s'est réveillé, et non seulement il s'est réveillé, mais il a pris de la vigueur jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, on constate effectivement que l'activité solaire mesurée à travers les tâches solaires présente donc, reçoit cette évolution. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Puisque actuellement, le cycle actuel a une amplitude moitié moindre que les précédents. Donc il est très possible que sur ce lent échauffement depuis trois siècles, on en arrive au bout et qu'il y ait au contraire une petite descente. Oh, ça ne sera pas un effet énorme. Se superpose à cette lente évolution, effectivement, un cycle de 60 ans. Ce cycle s'observe à la fois dans les mesures plus récentes de la température, toutes les mesures, qu'il s'agisse de celles du Hadley Center britannique par exemple ou de la NASA américaine, montrent bien ce cycle de 60 ans. Ce cycle se voit aussi très bien dans la hausse du niveau des océans. On retrouve exactement, vous le voyez là sur la courbe, ce cycle de 60 ans en parallèle avec celui qu'on voit pour la température. Et alors, plus récemment, on mesure, par satellite, les superficies de banquise. La banquise arctique, la banquise antarctique. Si on prend le total de la superficie de banquise, on retrouve également, et vous le voyez sur la courbe,
cette oscillation de 60 ans, alors certes sur une demi-oscillation, puisqu'on n'a pas de mesure auparavant, mais effectivement, pourquoi en ce moment on a bien passé le maximum de température, vu donc dans les mesures de température, vu dans la hausse du niveau des océans, qui est aussi passé à un maximum, c'est en train de se terminer, on arrive dans la phase où ça commence à décliner, et ça se voit très bien dans les mesures de superficie de banquise, puisque depuis 2 ans, la superficie de banquise est redevenue excédentaire par rapport à la moyenne depuis le début des mesures en 1979. Donc 3 indicateurs nous montrent que ce cycle, on a passé le maximum de ce cycle durant la première décennie de ce siècle, mais que c'est en train de s'inverser. Une figure nous montre que les mesures par satellite indiquent un début de décroissance de la température, faible, 1,5 degré par siècle, mais une croissance négative, comme diraient les économistes. Le dioxyde de carbone, c'est la nourriture des plantes. C'est irremplaçable comme nourriture des plantes. Non seulement indispensable, mais irremplaçable. C'est avec l'eau, bien sûr, le sol, tout ça va permettre de faire pousser les plantes. Ce que l'on constate depuis que l'on mesure avec précision l'évolution du taux de CO2 dans l'air, on constate qu'il a augmenté, et c'est évidemment au moins pour partie dû au fait que l'on brûle des combustibles fossiles, donc on augmente le taux de CO2 dans l'air. Or, on est passé de 0,03% à 0,04%, hein, c'est pas une proportion énorme. En revanche, si l'on s'intéresse à l'oscillation saisonnière du taux de CO2 dans l'air, tous les ans, au printemps et en été, on s'aperçoit que le taux de CO2 dans l'air diminue. Pourquoi ? C'est la manifestation directe que les plantes sont avides de CO2 pour leur croissance. Si l'on mesure maintenant l'amplitude de cette chute de taux de CO2 dans l'air, et qu'on le compare le début des mesures qui remonte à 1959 et maintenant, on s'aperçoit que cette amplitude, si on la mesure à un endroit au milieu de la végétation, l'exemple sur la courbe c'est ici à La Jolla en Californie, on s'aperçoit que cette amplitude a augmenté nettement plus vite que le taux de CO2 lui-même. Preuve que la végétation était en manque de nourriture et que, plutôt que de s'interroger, enfin, même si on parle en termes de principe de précaution, on a 2 problèmes antagonistes. Le CO2 est effectivement, gaz à effet de serre, responsable d'un très petit réchauffement de l'air. Est-ce un problème compte tenu du fait que, parallèlement, il a un effet bénéfique sur la végétation qui a été chiffré dans une étude américaine, cet effet bénéfique, à 3200 milliards d'euros. 3200 milliards d'euros d'effet bénéfique du CO2 pour nourrir les plantes et donc augmenter le rendement des récoltes. Alors, on a l'habitude de présenter dans les médias l'effet de serre comme un grand dommage pour l'humanité. S'il n'y avait pas d'effet de serre, principalement de la vapeur d'eau, mais aussi, dans une moindre proportion, du CO2, la température de la Terre serait 30 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Autrement dit, ça serait invivable. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que l'effet de serre, c'est bien. C'est nécessaire, c'est indispensable pour qu'il y ait de la vie sur Terre. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que le petit augmentation de CO2 entre 0,03% qui est passé à 0,04% en un siècle, est-ce que ça risque de faire un réchauffement dangereux? On a tous connu des nuits froides et des canicules. Entre les deux, il doit y avoir 40 ou 50 degrés d'écart. L'humidité, que je sache, s'y adapte très bien.
Si c'est une fraction de degré, je doute que même on s'en rende compte. Mais bon, car on va bien parler d'une fraction de degré. Que nous dit le dernier rapport du GIEC ? C'est explicitement écrit, en cas de doublement du taux de CO2 dans l'air, on aurait une élévation de température entre 1 degré et 2,5 degrés. De combien augmente le taux de CO2 ? On a dit, on est passé de 0,03% à 0,04%. Actuellement, on est sur une pente depuis 20 ans d'un demi-pourcent par an. Dans l'air, il augmente de 1,5% par an. Donc, il faudra plus d'un siècle pour que ça double à ce rythme-là. Si donc je reprends la valeur basse de la prédiction du GIEC, qui à mon sens est encore un peu exagérée, et on va dire pourquoi dans un instant. Mais si on prend cette valeur basse, 1 degré, multiplié par 1,5% par an, multiplié par 85 ans pour aller jusqu'à la fin de ce siècle, on va trouver un réchauffement de 0,3 degré. En reprenant la valeur du GIEC, entendons-nous bien. Bon. Alors, est-ce que cette valeur, on peut lui faire confiance ? Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de mesurer le rôle du CO2 qui est dans l'air par un outil qu'on appelle un spectromètre infrarouge. Qu'est-ce qu'on constate ? Bon, les mesures sont connues depuis 40 ans. On constate que aux deux fréquences d'absorption du rayonnement émis par la Terre par les vibrations de la molécule de CO2, donc il n'y en a que deux par symétrie, une qui est le carbone vibre contre les deux atomes d'oxygène de part et d'autre, et le carbone vibre perpendiculairement aux deux atomes d'oxygène de part et d'autre. Il n'y a que deux possibilités. Et effectivement, ces deux vibrations se voient très bien dans le spectre infrarouge, donc c'est la prolongation du côté du rouge, ce qu'on appellerait l'arc-en-ciel, en le prolongeant très loin, et on s'aperçoit, on retrouve le fait que c'est d'abord la vapeur d'eau qui absorbe à 90% qui absorbe le rayonnement émis par la Terre, et donc effectivement contribue à ce réchauffement de 30 degrés, sans lequel bien évidemment la vie ne serait pas possible sur Terre. Et puis les deux fréquences de vibration du CO2 qui elle aussi absorbe. Et quand on regarde sur ce qu'on appelle le spectre, on s'aperçoit que ces deux fréquences travaillent très bien, puisqu'elles ne laissent rien passer. À ces deux fréquences-là, l'air est opaque, sous une épaisseur, une altitude d'une centaine de mètres, l'air est opaque au rayonnement émis par la Terre. Donc, les vibrations du CO2 travaillent très bien, et on ne voit pas très bien comment ça pourrait augmenter, puisque c'est déjà opaque. Alors quand même, il faut être sûr de ce qu'on dit, et pour s'assurer qu'effectivement on est opaque, on peut embarquer un spectromètre dans un satellite et mesurer en se plaçant tout en haut au-dessus de l'atmosphère, voir si quand même il n'y a pas un peu de rayonnement de la Terre qui va passer. Alors effectivement, il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, donc on n'est pas totalement opaque. Le phénomène, on va dire, est saturé à 95%. Donc on n'est pas loin de 100%, mais pas tout à fait. Et donc il y a un petit effet, effectivement, de réchauffement par le CO2. Est-ce que cet effet se voit sur la température de la Terre ? C'est ce que montre la courbe, qui montre la température mesurée dans la basse stratosphère, c'est-à-dire pratiquement au sommet de l'atmosphère, en fonction du temps. On s'aperçoit, quand on porte en fonction du taux de CO2 dans l'air, qu'on ne voit absolument rien de mesurable. Aux incertitudes près, la température n'a pas augmenté, ce qui est une deuxième preuve que l'effet reste très petit et n'est en aucun cas problématique comparé à l'effet bénéfique du CO2 qui était évoqué tout à l'heure. Vous avez là sous les yeux deux belles courbes, une bleue et une verte. L'une, c'est l'évolution mensuelle de la température de la Terre mesurée par satellite. L'autre, c'est l'évolution mensuelle, l'augmentation du CO2. Pas le total, mais la fraction mensuelle d'augmentation. Vous voyez que les deux courbes se ressemblent étrangement. Mais qu'il y en a une qui est décalée dans le temps par rapport à l'autre. Alors, si on incrimine
l'effet de serre du CO2 pour expliquer les fluctuations de température. Normalement, on s'attendrait à ce que lorsqu'il y a un pic de CO2, il y a un pic de sang de température qui suivrait donc cette augmentation du taux de CO2 dans l'air. Quand on regarde attentivement, c'est exactement l'inverse qui se produit. En fait, on a d'abord un pic de température, il y a plusieurs exemples, qui sont suivis 9 à 11 mois plus tard par un pic d'augmentation du CO2. Alors, comment on peut expliquer cela? Une des interprétations possibles, c'est de faire appel au fait que dans les océans, il y a 60 fois plus de CO2 que dans l'air. Si donc, pour une raison, par exemple naturelle, on a vu le cycle de 60 ans tout à l'heure, si justement, lorsqu'on est à un sommet du cycle, les océans sont un petit peu plus chauds, ça joue sur des fractions de degrés, eh bien à ce moment-là, il est possible que, comme dans une bouteille de champagne, si on la laisse en plein soleil, le CO2 va partir. On peut aborder évidemment la question du réchauffement climatique sous plein d'angles différents. Et je crois que c'est l'une des difficultés quand on veut être climato-sceptique, c'est d'être capable d'avoir un esprit un peu de synthèse sur toutes les questions qui se posent. Et on ne peut pas être spécialiste en tout. Moi, ce qui a été mon point d'entrée, c'est un point avec recul, et ça a été l'épistémologie. L'épistémologie, c'est-à-dire un regard sur la science et la façon dont elle se construit. On prend la science comme objet et on se demande comment elle évolue, comment une théorie naît, évolue, disparaît, renaît éventuellement de ses cendres après. Et quand on porte un regard épistémologique sur la question du réchauffement climatique, assez vite, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de points qui posent problème. La science, en principe, n'avance pas comme ça, ne se fait pas comme ça. Il y a eu tout un tas d'innovations, notamment la création du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un groupe d'experts donc, qui a été créé à la fin des années 80 et qui survit aujourd'hui et qui rend des rapports tous les 5, 6 ou 7 ans. Et qui est une structure complètement nouvelle. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des sciences, un ensemble de gens d'horizons différents qu'on rassemble pour dire la bonne parole sur une science donnée, qui est une alliance entre, d'une part, des scientifiques et, d'autre part, des politiques. Ça n'est pas du tout un organisme scientifique, le GIEC ne fait pas de recherche, il synthétise la recherche et il le fait sous l'œil des gouvernements, ce qui est assez bizarre. En principe, la science n'a pas besoin de ça pour avancer. La science n'a pas besoin d'un groupe d'experts et de porte-voix politiques pour avancer. On n'a jamais fait ça sur la relativité générale, sur la découverte de l'ADN ou sur autre chose. Donc, c'est un peu bizarre. Ensuite, on voit rapidement, quand on met le nez dedans, qu'on a un mélange entre ce qui est de l'ordre de la recherche du vrai et du faux. Ce que fait la science en général, évidemment c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais pour aller vite, disons que la fonction de la science, c'est un petit peu de séparer le vrai du faux. Et là, on est plutôt dans une logique qui consiste à séparer le bien du mal. Et donc on ne cherche plus le vrai, on cherche le bien. Pourquoi pas, mais ça ne peut pas être de la science. On n'a pas le choix de ce qui est vrai. On ne peut pas décider que telle chose est bonne, telle théorie est valable parce qu'elle nous permettrait de sauver le monde, de réduire les inégalités, ou ce genre de choses. On doit regarder les phénomènes pour ce qu'ils sont, y compris s'ils nous conduisent à des choses qui, politiquement, disons, ne seraient pas forcément ce qui irait dans notre sens. Donc là, c'est frappant de constater cette collusion-là et... Avec un tout petit peu de regard historique, on sait très bien que ce type de choses conduit invariablement à l'échec de la science. Tous les exemples passés le montrent. Quand la science se mêle de dire le bien, d'une part elle se trompe, et ensuite elle s'affaiblit, et elle ne fait plus de vraie science.
Les exemples, il y en a plusieurs. Alors c'est toujours un petit peu délicat de donner des exemples parce que ce sont souvent des exemples assez cruels et je ne pense pas qu'on soit de cet ordre-là de cruauté. Mais on a l'exemple le plus proche, c'est sans doute l'affaire Lysenko, qui, donc, dans les années 40 et 50, à l'époque de Staline, a vu l'émergence d'une biologie alternative qui s'opposait à la génétique telle qu'elle existait à l'époque et aux lois de Mendel. Et donc Lysenko, qui était ingénieur agronome, pensait remplacer cette théorie-là par une autre et a reçu le soutien politique de Staline. Et sa théorie, qu'on appelle aujourd'hui le lysenkisme, se fondait très bien dans l'idéologie politique de son temps en Union soviétique. Ça a été très bien étudié, notamment par Dominique Lecourt, après coup, où il a montré qu'il y avait effectivement une adéquation totale entre cette théorie-là, qui s'est révélée pseudo-scientifique, et le matérialisme dialectique de l'Union soviétique. Alors, encore une fois, on n'est pas du même ordre. Hein, et je ne voudrais pas que ce rapprochement-là serve à suggérer que nos modernes promoteurs du réchauffement climatique seraient des staliniens. On n'en est pas là. C'est pas le propos. Le propos, c'est de dire, oui, il peut y avoir une communauté scientifique faite de gens compétents qui peut, pour des raisons diverses, se fourvoyer dans quelque chose qui n'est plus de la science et qui est de l'ordre de la pseudo-science. Et donc, il y a, en parallèle à une vraie science qui est la climatologie, qui mérite tout à fait d'exister, une pseudo-science qui est pratiquée aussi par les scientifiques, exactement comme la numérologie à l'époque de Pythagore ou l'astrologie à l'époque de Kepler, on pourrait dire, l'idée que la Terre serait une sorte d'organisme vivant, que nous devrions lui rendre hommage, faire attention, la traiter comme une sorte de divinité païenne. Et le point commun entre toutes les pseudosciences, à mon sens, c'est cette idée que ce qu'on étudie n'est pas un objet, mais un sujet, c'est quelqu'un. Quand on regarde le climat, on a l'impression que c'est une sorte de Dieu qui reflète ce que nous sommes, qui nous dit où est le bien et où est le mal, est-ce que nous faisons de bien, est-ce que nous faisons de mal. Donc ça, c'est assez... Ce qu'on voit aujourd'hui avec le climat, ça n'est pas très nouveau, finalement. Avec un regard épistémologique, c'est qu'on a d'autres exemples assez comparables de phénomènes du même genre, d'errements scientifiques. C'est même assez intéressant d'observer la naissance d'une pseudo-science, hein, en même temps que la climatologie naît à son tour. Et on peut s'attendre qu'un jour, il y ait un nouveau Galilée, qu'il y ait un nouvel Architas, qu'il y ait une modernisation réelle de la climatologie qui dira, bah, maintenant, on étudie vraiment le climat et on arrête de se demander si nous sommes coupables, si nous avons péché, etc. Voilà ce que peut dire, à mon sens, un regard vraiment un peu lointain. C'est-à-dire qu'évidemment, après, il faut entrer plus dans les détails. Il est assez regrettable que ceux qui seraient le mieux en position de tenir ce discours ne le tiennent pas. Et malheureusement, les historiens des sciences, les épistémologues sont tombés aussi dans le panneau. Et ils veulent aussi faire le bien. Hein. Par exemple, on a Bruno Latour, qui est sociologue des sciences, qui est au départ quand même quelqu'un d'assez critique sur la science elle-même et qui aurait été, à mon sens, assez bien placé pour mener une critique de ce qui se passe. Au contraire, est allé complètement dans le sens du courant et il explique carrément que, pour savoir si le réchauffement climatique c'est vrai ou pas, il faut se demander qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et on constate que ceux qui n'y croient pas, ce sont souvent ceux qui sont aussi opposés à l'avortement. Et donc, voilà comment choisir son camp dans la controverse. C'est comme ça qu'il raisonne. Donc ça en dit long quand même sur l'abandon total de l'idée même de science, y compris par des gens qui quand même sont censés avoir un certain recul et une certaine capacité à regarder les choses sans aller trop facilement dans le sens du courant. On a d'autres postures militantes, en France aussi, par exemple quelqu'un comme Ami Dahan, qui écrit carrément que le changement climatique, ça n'est pas juste une affaire de climat, mais c'est une affaire de la société tout entière qui doit se réformer de fond en comble. On a le même genre de choses chez Isabelle Stengers aussi, où en gros, l'idée, c'est le climat, c'est juste une façon
d'aborder la meilleure façon, enfin, comment faire. Avec le climat, on va savoir comment organiser la société. Et essentiellement, il s'agit de la réorganiser complètement avec un état d'esprit militant. On peut avoir cet état d'esprit militant. Le problème, c'est que, en principe, c'est quand même pas tout à fait comme ça qu'on travaille. Et que, au moins, quand on a affaire à des sujets comme ça qui, effectivement, sont assez clivants, il serait nécessaire d'avoir les deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'il y ait des historiens des sciences, qu'il y ait des épistémologues, pour dire, on va prendre l'autre, on va avoir le courage de regarder les choses dans l'autre direction. Alors que je pense que, beaucoup de gens pensent comme de la même façon, je pense, que l'aspect épistémologique est crucial dans le débat, parce que c'est vraiment là qu'on a du recul, qu'on peut regarder les choses avec une certaine distance, et en plus, on a un bel objet. C'est-à-dire qu'au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, on a quand même un objet épistémologique extraordinaire. Et c'est très regrettable que personne, enfin que si peu de monde, ait l'idée de l'étudier en tant qu'objet épistémologique sans essayer de dire pour ou contre Claude Allègre, quoi, en un mot, pour être un peu franco-français. Une porte d'entrée possible, ce sont les mathématiques, qui sont un des volets cruciaux de la chose, parce que on a affaire à des problèmes qui, pour une bonne part, sont des problèmes de nature statistique. Et donc la question climatique, c'est pour une bonne part la question du traitement des données. Et quand on met un peu le nez dedans, qu'on regarde un petit peu comment les données sont travaillées et comment les courbes sont construites, on est assez vite conduit à penser que tout ça repose quand même sur des choses très légères et très insuffisantes. Donc d'abord, il y a le problème de la qualité des données, de la façon dont elles sont stockées. Et on a eu donc l'exemple emblématique, qui est vraiment un cas d'école, qui est la fameuse courbe en crosse de hockey de Michael Mann et Bradley Hughes, donc paru en 1998, qui montrait, donc il y avait une vraie esthétique de cette courbe, c'était une vraie décharge électrique, on avait l'éclair, hein, où on voyait, il y a plusieurs articles aussi, où on voyait la température du dernier millénaire à peu près stable, très légèrement descendante, et à partir du 19e siècle, milieu du 19e siècle, brutalement une remontée, une décharge électrique, et là, la courbe est dessinée en rouge à ce moment-là pour bien montrer l'événement, mais c'est un objet en soi, une icône en soi, et qui a eu un succès extraordinaire, qui apparaît 6 fois dans le rapport du GIEC de 2001, et qui a été donc porté vraiment comme drapeau pendant plusieurs années de la part de ceux qui disaient « Vous voyez bien, le climat se réchauffe, et c'est forcément la faute de l'homme, parce que quand on voit effectivement une baisse très régulière, très calme, très apaisée pendant tout un millénaire, et que brutalement une hausse énorme a lieu d'un coup, on se dit « Il s'est passé quelque chose qui n'a pas été prévu par la nature ». Et cette courbe-là, la façon dont elle a été faite, c'est ni fait ni à faire. Elle est complètement fausse et bon, on a fini par s'en rendre compte et par la faire disparaître discrètement. Mais les gens s'en souviennent. Et à chaque fois que j'interviens, que je vais voir des journalistes et que je leur parle de cette courbe, la plupart s'en souviennent. La plupart disent, oui, effectivement, j'ai vu cette courbe-là, donc qui a joué un rôle dans l'imaginaire collectif, pour aller vite, un rôle vraiment crucial. Et si, évidemment, il ne suffit pas, c'est le malheur de la médiatisation, c'est qu'il ne suffit pas de montrer qu'elle est fausse pour que, automatiquement, l'imaginaire associé se rectifie dans le même temps. Donc avec cette courbe, et avec d'autres du même genre, on a tenté d'asseoir la théorie dominante sur un réchauffement climatique d'origine humaine à partir de mathématiques qui sont lacunaires. Et d'une façon générale, on doit reprocher à la communauté des climatologues de ne pas assez interagir avec des statisticiens professionnels et d'avoir, disons, mis au point leur propre méthode sans se demander si c'était pertinent. On sait que les statistiques, c'est un très bel objet, mais il faut le manier avec prudence,
parce que ça n'est pas facile. Alors on dit généralement qu'on peut faire dire aux statistiques ce qu'on veut. Il y a tout un tas d'histoires amusantes sur les statistiques. En vrai, si on utilise bien l'outil, il est efficace. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de statistiques, bien au contraire, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est un métier en soi, et ce n'est pas pour rien qu'il y a des statisticiens professionnels, c'est parce qu'on ne s'improvise pas, on ne s'improvise pas statisticien. On a un autre exemple de façon un peu étrange de travailler et de donner des conclusions dans un rapport français. C'est le quatrième rapport du genre, donc qui a été commandé par le ministère de l'écologie, et qui est un rapport qui prétend dire ce que sera le climat en France au XXIe siècle. Donc ça s'appelle le climat de la France au XXIe siècle, et il émane de la Direction générale de l'énergie et du climat. Il a été rendu public en août 2014, et il a eu évidemment l'écho qu'on peut imaginer dans la presse, où il était résumé par plus 5,3 degrés en France en 2100. Donc c'est un rapport qui fait une soixantaine de pages, et je pense que personne ne l'a vraiment lu. Je dois être le seul, tout simplement, à l'avoir lu un peu attentivement, et plus exactement à avoir exercé un certain esprit, un regard critique dessus, pour me rendre compte que, eh bien, c'est un rapport qui ne vaut rien. Il n'a aucune valeur, il se contredit lui-même. Il utilise deux modèles, donc WRF et Aladdin Climat, qui disent des choses contradictoires. Mais c'est pas grave, parce que le rapport les mentionne les deux, les met un petit peu sur un pied d'égalité, et finalement les présente, enfin, ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont cohérents entre eux, mais pioche ici et là les choses qui peuvent aller dans le sens voulu. Et bon, je crois qu'il ne reste à peu près rien de ce rapport quand on exerce dessus un esprit critique. Qui a eu le courage de lire vraiment ce rapport et d'apporter dessus une certaine contradiction? Ben, je crois que, bon, je l'ai fait humblement et avec mes moyens sur mon blog, mais je crois que personne d'autre ne l'a fait. C'est-à-dire que la presse, y compris la presse des journalistes scientifiques, a servilement recopié les conclusions du rapport, sans aller voir, sans même daigner exercer un esprit critique, un esprit journalistique. En principe, un rapport fait à la demande d'un gouvernement, quand même, on se demande s'il est bon, on peut aller poser des questions aux uns et aux autres, et ça n'a visiblement pas été fait, parce que le rapport, il est considéré comme valable, et il est reproduit. Il va dans le bon sens, disons, il va dans le sens dominant, mais bon, les spectateurs intéressés pourront aller voir mon analyse sur la question. C'est même pas des choses difficiles. C'est très facile de se rendre compte que le rapport ne colle pas. Par exemple, donc il y a un tableau qui annonce l'augmentation de température en France à attendre selon les scénarios climatiques, c'est-à-dire selon qu'on arrête d'émettre du gaz carbonique ou qu'on arrête plus ou moins vite ou qu'on continue. Et ben, à plusieurs endroits de ce tableau-là, on se rend compte que ce que prévoient les modèles, donc les deux modèles qui sont utilisés, c'est plus on émet de gaz carbonique, moins ça se réchauffe. Bon, en six endroits, ça se produit sur un tableau qui n'est pas si gros, en six endroits, ça réchauffe plus si on émet moins de gaz carbonique. Et ça n'est pas commenté. À la limite, on peut dire, bah oui, effectivement, il y a telle et telle raison, il y a une certaine variabilité, on n'a pas fait assez de run, il n'y a pas de marge d'erreur, donc on peut pas savoir exactement ce qu'il en est. Mais donc ni les auteurs du rapport, ni ceux qui sont censés l'avoir lu, c'est-à-dire au moins les journalistes scientifiques, n'ont exercé leur esprit critique pour dire, tiens, là quand même, il y a quelque chose d'un peu curieux. Il y a d'autres exemples dans ce rapport, hein, mais à peu près tout est de la même veine. Donc on a des annonces pour les précipitations, dans lesquelles, donc notamment pour l'outre-mer, où il n'y a aucun lien clair entre le gaz carbonique et les précipitations au XXIe siècle. Aucun lien, mais on donne quand même les courbes et on nous explique. Enfin, la morale de l'histoire, reste quand même la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul. Il n'y a pas l'idée que finalement, peut-être les précipitations, peut-être que le gaz carbonique n'est pas déterminant sur les précipitations. Et finalement, c'est les résultats des modèles eux-mêmes qui le suggèrent, qui devraient conduire à se poser la question. On n'a pas de recul non plus. On nous présente une figure sur la température globale et la température en France
pour constater qu'il y a une variabilité plus grande en France. C'est vrai. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que brutalement, sur les 30 dernières années, la France s'est réchauffée se serait réchauffée beaucoup plus que la moyenne mondiale. Pourquoi ? Pourquoi pas, encore une fois, c'est possible. Mais on ne nous dit pas pourquoi, et tout ce qu'on nous dit, c'est, vous voyez bien, en France, la variabilité en France est plus grande que la variabilité sur la Terre entière, ce qui est en soi assez logique, mais on ne se pose pas de questions. C'est un rapport qui ne se pose pas de questions, y compris sur ses propres résultats. Et je pense que c'est un problème, il y a quand même 6 personnes qui ont travaillé sur ce rapport, et c'est un rapport qui, à mon sens, n'aurait jamais dû être publié. C'est juste un exemple, hein. Mais ça, il montre bien, parce que ça, c'est un exemple qui est intéressant, parce que le rapport est assez simple à lire, et on peut vraiment facilement se rendre compte de toutes ses limites. Donc, et il a été fait par des professionnels. Donc, en principe, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour se rendre compte qu'il y a une façon de travailler qui n'est pas bonne. Ça ne suffit pas, évidemment. On pourrait critiquer le rapport du GIEC plus en détail, et il y a bien d'autres choses à faire. Mais je crois que ce rapport est assez représentatif d'un état d'esprit où, finalement, ce qui compte, ce n'est pas la qualité du travail, mais simplement le message qui est donné. S'il va dans le bon sens, alors on ne se pose pas de questions. Et ça, je crois qu'il faudra quand même qu'on arrive à en sortir. C'est une aventure intellectuelle intéressante d'aller regarder ce qui se passe. J'aime beaucoup l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, et là, l'épistémologie, et là, je suis face à un objet magnifique. Au-delà d'une certaine indignation, parfois, parce que c'est vrai quand même, mais il faut aussi savoir dépasser l'indignation, la mettre de côté, et juste admirer la chose extraordinaire qui nous arrive, la création d'une pseudo-science à l'échelle mondiale. Je suis convaincu que dans quelques dizaines d'années, les historiens des sciences vont avoir énormément de travail. Là, on est en train de donner du travail aux futurs doctorants, aux futurs chercheurs en histoire des sciences, et ça deviendra un cas d'école. Ça deviendra un cas d'école des errements qu'on peut voir en sciences. Les scientifiques eux-mêmes se croient protégés par leur savoir et ne se rendent pas compte que, au contraire, croire avoir cette protection, c'est se rendre vulnérable, parce que ça conduit à baisser la garde. Et on le voit malheureusement chez pas mal de nos scientifiques qui ne se rendent pas bien compte de ce qui est fait à partir de ce qu'ils disent. Ils pensent que, simplement, le fait qu'ils disent, ils essayent de se réfugier derrière un savoir technique, leur permet de se sentir un peu à la fois protégés et blancs comme neige, et ne se rendent pas compte qu'ils prêtent la main, en réalité, à quelque chose qui les dépasse complètement. Le nouveau paradigme n'est pas tout à fait un paradigme scientifique. C'est un paradigme plutôt moral, donc, voire idéologique pour certains. Mais c'est aussi quelque chose d'assez courant, parce qu'en réalité, la climatologie elle-même, elle se crée. Donc elle se crée en même temps que la pseudoscience qui l'accompagne. Et la pseudoscience, comme d'habitude, est créée par des scientifiques. Ce qui est assez commun. Alors un exemple assez amusant que j'aime bien, que j'ai mis dans mon dernier livre, c'est un exemple donné par James Hansen. Donc Hansen, c'est un Américain, c'est un scientifique, qui est le grand promoteur historique de la cause du réchauffement climatique, et qu'il l'a lancé, si l'on peut dire, à l'occasion d'une déposition au Congrès américain, qui était en 1988. C'est vraiment le coup d'envoi médiatique a été donné par Hansen, qui est un scientifique. Et il écrit, donc Hansen s'est intéressé en 2007 dans un article publié dans une revue, un comité de lecture, tout ce qu'il y a de sérieux, tout ce qu'il y a de scientifique. Il s'intéresse à la hausse du niveau des mers causée par la fonte de l'Antarctique, supposée hausse dramatique. Et évidemment, selon Hansen, ce qui crée la fonte de l'Antarctique, c'est la faute de l'homme, évidemment. Et donc, il nous explique que le facteur qui va prendre le dessus dans la hausse du niveau des mers, c'est la fonte de l'Antarctique. Et il nous dit que ce facteur était faible jusqu'à ces dernières années, mais a déjà au moins doublé dans la dernière décennie, et est maintenant proche de 1 mm par an, donc 1 mm de hausse par an. Comme exemple quantitatif, disons que la contribution de la calotte glaciaire est de 1 cm pour la décennie 2005-2015. Et qu'elle double chaque décennie jusqu'à ce que la calotte de glace de l'Antarctique Ouest ait en grande partie disparu. Cela produit une hausse du niveau des mers de l'ordre de 5 mètres pour ce siècle.
Donc en gros, et même en détail, Hansen nous dit explicitement, il y a eu 1 mm pendant une décennie, disons 2 mm dans la suivante, donc ça va doubler chaque décennie. Et il double pendant un siècle. Alors effectivement, on arrive à 5 mètres de hausse, alors 5 mètres et 12 cm si on veut être tout à fait précis. C'est délirant. N'importe quel mathématicien ou n'importe quelle personne un peu cultivée scientifiquement sait qu'on ne peut pas raisonner comme ça. D'autant plus qu'on arrive à une conclusion d'une hausse de 5 mètres, de hausse du niveau des mers, qui est complètement délirante. En gros, même les plus pessimistes disent 1 mètre, ce qui est déjà largement au-dessus de ce que montrent les observations. On est plutôt sur une trentaine de centimètres, on est plutôt sur une hausse comparable à celle du XXe siècle, et on a à l'évidence affaire à une hausse, disons, qui s'exerce sur le temps long. Donc Hansen pronostique une hausse complètement délirante de 5 mètres, et il l'appuie sur des mathématiques. Il l'appuie sur un raisonnement, en se disant, il suffit de doubler. Donc c'est évidemment, ça, quand on double tous les 10 ans très vite, c'est connu depuis les compteurs orientaux et une célèbre histoire de grains de blé qu'on double sur les cases d'un échiquier, on sait qu'on atteint très vite des très grandes valeurs. Et donc, avec ce calcul-là, entre guillemets, il arrive à peu de frais à essayer de nous faire peur, avec très peu de choses au départ, parce que bon, une hausse de 1 mm par an, c'est quand même pas, ça n'a pas de quoi faire très, ça n'a pas de quoi inquiéter. Et donc, il l'habille d'atours mathématiques. Mais c'est complètement fallacieux, mais ça marche. Il faut croire que ça marche. Et ça marche même dans des revues à comité de lecture, parce que ça a été publié, encore une fois, dans une revue, tout ce qu'il y a de sérieux et d'académique, et ça a été republié après dans un livre. Donc c'est une histoire assez simple et assez significative du fait que, dans cette affaire, on utilise des mathématiques, on utilise de la science, on utilise parfois même des choses très complexes, hein, qui donnent l'impression d'une certaine fiabilité, et en réalité, si on va dedans, eh bien, bien souvent, on se rend compte que ça ne fonctionne pas comme ça, et que, bah, pour tout dire, on est très loin d'avoir vraiment compris ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est effectivement une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de la malhonnêteté? Mon point de vue là-dessus, c'est ni l'un ni l'autre. D'abord, sur la malhonnêteté, j'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Ça n'est pas très crédible. Tout simplement, ça n'est pas très crédible parce qu'on imagine quand même mal autant de gens se mettre à mentir pour une sorte de complot dont on ignore un peu les finalités. Ça, c'est plutôt voir un complot, voire même une malhonnêteté des uns et des autres disparate et qui arriverait à se retrouver sur certains objectifs communs. Je trouve que c'est surtout une paresse intellectuelle. Voilà. Ça permet de tout expliquer à bon compte, on n'a plus besoin de réfléchir et ça n'est pas une hypothèse très intéressante. C'est d'autant moins intéressant qu'il y a assez peu de preuves. Alors effectivement, il y a l'affaire du Climate Gate, qui sont des courriers électroniques qui ont été divulgués entre climatologues et qui montrent très clairement que, pour faire court, il y a quelque chose de pourri au royaume de la climatologie et au royaume du GIEC. Mais... bon, ça ne suffit pas, à mon avis, même ça, qui est vraiment un grand scandale, et on entend beaucoup trop peu parler en France, même ça ne suffit pas pour moi à dire que l'ensemble des scientifiques sont malhonnêtes. Il peut y avoir des scientifiques malhonnêtes, il y en a comme un peu partout. Je pense que c'est une minorité. Est-ce que c'est de l'incompétence? Non plus. Je pense que beaucoup de climatologues sont compétents. Et travaillent, disons, honnêtement et font probablement aussi progresser les choses, hein, parce que malgré tout, les moyens qui ont été mis dans cette affaire-là, s'ils sont bien utilisés, si on fait abstraction, disons, de leur finalité un peu illusoire, peuvent par ailleurs apporter des renseignements intéressants. On va par exemple avoir dans peu de temps 10% des balises argot qui sont réparties dans les océans, qui vont pouvoir mesurer le pH des océans.
donc l'acidité des océans, parce qu'on s'inquiète de l'acidification des océans. On peut penser, enfin c'est mon cas, qu'on s'inquiète encore pour rien et qu'on recycle en fait la peur du réchauffement, la peur de l'acidification des océans. Mais il reste que connaître l'évolution de l'acidité des océans et avoir des données précises sur le pH de l'océan, c'est quelque chose de très intéressant et qui permettra à terme, effectivement, de faire avancer la science. On a plutôt affaire à une... Donc pour expliquer ça, on a affaire à beaucoup de choses. On aura besoin de temps pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais, entre autres choses, on a affaire à, je le disais tout à l'heure, à la création d'une pseudo-science, qui est quelque chose d'assez naturel dans l'histoire des sciences, à tous les niveaux. On crée une pseudo-science en même temps qu'on crée la science. Et c'est la marque que la climatologie n'est pas encore une science moderne. Pour moi, c'est vraiment l'un des critères majeurs pour distinguer une science moderne d'une science, je dirais, archaïque, sans connotation péjorative, mais disons une science ancienne, une science qui n'est pas encore mûre, c'est séparation de la science et de la pseudo-science. Ça n'est pas fait pour l'instant. Donc ça explique pourquoi on peut avoir ce double discours scientifique. D'un côté, un discours effectivement raisonnable, travaillé avec des gens qui essayent effectivement de faire des modèles climatiques qui fonctionnent, de comprendre l'évolution des variables climatiques, et de l'autre, un discours moral, un discours qui utilise des mathématiques comme celui de Hansen sans véritablement que ce soit fondé. Et c'est au moins du point de vue scientifique, je crois que c'est ça à quoi on a affaire. Alors ça a été à la rencontre de beaucoup d'autres choses, et les scientifiques ne sont pas seuls responsables. Les scientifiques, encore une fois, sont largement dépassés, à mon sens, par ce qui leur arrive. Ça n'est pas la même chose. Faire de la science et savoir ce que c'est, ça n'est pas la même chose. Et dans une affaire comme le climat, faire de la science, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir ce qu'on fait, et il faut aussi être capable de comprendre les interactions, la façon dont nous voyons le monde, il faut comprendre que la façon dont nous voyons le monde peut influencer la façon dont nous faisons la science, et que ce problème se pose d'autant plus quand la science qu'on fait entre en résonance avec le reste du monde. D'une façon générale, il y a une tradition qui est normalement une tradition tout à fait saine, qui est que, on fait confiance aux collègues. Et donc, je l'ai pratiqué moi-même aussi beaucoup, de façon naturelle, pendant très longtemps. C'est les collègues climatologues disent que j'ai pas de raison de suspecter quoi que ce soit. Et c'est cet état d'esprit qui est assez majoritaire, pas seulement chez les mathématiciens, mais je crois chez tous les scientifiques. C'est un état d'esprit assez normal, qui est que on n'a pas de raison de remettre en question ce que disent les collègues. Il faut aller voir, il faut avoir une bonne raison de s'y mettre. Alors une bonne raison, c'est-à-dire, il faut avoir envie de s'y mettre, et a priori, on ne peut pas tous s'occuper de tout, donc je comprends fort bien que la plupart de mes collègues universitaires, un, ne se soient pas penchés sur la question, et donc, deux, se fie au courant dominant, se fie au rapport du GIEC, se fie aux collègues climatologues. C'est l'attitude la plus logique, c'est l'attitude la plus raisonnable, et c'est l'une des bizarreries, effectivement, de l'affaire. C'est que moi-même, j'ai longtemps hésité avant d'être capable de me dire qu'il fallait rompre avec ça. Je me suis rendu compte assez vite, quand je suis allé dans le fond du problème, je me suis rendu compte assez vite que quelque chose n'allait pas. D'abord, encore une fois, pour des raisons épistémologiques, parce qu'on voyait trop de confiance, déjà. Trop de confiance sur un objet manifestement difficile à appréhender. Peu de capacité à se remettre en question. Beaucoup de violence dans les attaques des contradicteurs. Et un discours qui flirtait très vite, très souvent, très rapidement avec la morale, avec l'idéologie, pas du tout scientifique. Et c'est ce genre de choses. Mais il faut avoir envie de s'y mettre. Il faut avoir envie de. Sinon, la logique, c'est de croire le GIEC. Et ce que j'ai fait moi-même pendant des années, on se dit c'est peut-être un petit peu exagéré. Voilà, les journalistes en rajoutent. Et c'est quand on va creuser un peu et qu'on se rend compte que les scientifiques eux-mêmes sont d'accord et ne prennent pas de distance avec tout ça, qu'on se dit, là, en principe, là, il y a un clignotant épistémologique qui s'allume et on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est
quand même quelque chose d'original. S'il y a une chose originale vraiment dans cette affaire, par rapport à d'autres affaires de l'histoire des sciences, comme l'affaire Lysenko, à laquelle je le rapprochais tout à l'heure, c'est que pour cette fois, c'est plutôt ceux qui sont extérieurs à la climatologie proprement dite, qui ont fait le travail. D'ordinaire, ce sont les scientifiques qui eux-mêmes, disons, se débarrassent de leur propre pseudo-science. Et là, ça vient de qui ? Des blogueurs. Ça vient de Steve McIntyre, ça vient d'Anthony Watts, ça vient de Ross McKittrick, qui est économiste. Ça vient de gens qui sont à la périphérie, hein, et pas du tout de gens à l'intérieur. Ça, c'est quand même plutôt rare. C'est a priori pas très bon. Hein. Là, c'est quand, si vous dites ça à des collègues universitaires, en principe, on fait confiance encore une fois à l'institution, et c'est très souvent légitime. Et là, pour une fois, eh bien, il faut reconnaître que le salut vient plutôt de l'extérieur.